Bonjour à tous. Bah écoutez, un marché américain qui a terminé dans le rouge hier. Un indice Nasdaq accusant sa plus forte chute depuis 3 semaines. Un indice Dow donc qui a lâché 0,07%. Le S&P a abandonné 0,36 et le Nasdaq une baisse de 1,03%. Pas mal de statistiques macroéconomiques que je vous partage. Aujourd'hui, le marché aura les yeux fixés sur le rapport officiel de l'emploi américain qui est attendu donc aujourd'hui. En revanche, on a pris connaissance hier d'ores et déjà des demandes hebdomadaires d'allocation chômage qui sont passées pour la première fois depuis la pandémie sous la barre des 400 000 en nombre. Donc elles se sont établies à 385 000 pour la semaine close donc du 29 mai. Elles ont diminué ainsi de 20 000 en nombre, soit mieux qu'attendu par les analystes. En outre, les créations d'emplois dans le secteur privé en mai ont bondi à 978 000, bien au-delà là aussi des estimations des analystes. Et j'en finirai avec vous à partager la croissance de l'activité des services qui s'est accélérée de 62,7 à 64, soit un rythme plus soutenu que prévu en mai dans le secteur américain donc des services. Donc comme je vous l'indiquais, pas mal de volatilité sur le marché américain et notamment sur les valeurs techno. C'est le cas notamment de la chaîne des magasins de jeux vidéo GameStop qui a perdu quasiment 9% hier à la clôture après avoir progressé de plus de 13% la veille. Ou celle des magasins d'articles pour la maison Bed Bath & Beyond qui a baissé de quasiment 28% là où la progression était de 62% la veille. Petite brève valeur, j'ai pu noter que pour Ford qui a fait état hier d'une hausse de 4% de ses ventes de voitures en mai aux États-Unis, une progression notamment due à des livraisons de véhicules électriques records. Et puis une petite news sur les taux, le rendement de la dette américaine à 10 ans a légèrement grimpé pour s'inscrire à 1,62% contre 1,58% la veille. J'en viens tout de suite au marché européen. Le marché parisien donc a baissé de 0,2% à 6 508 points. Le CAC donc limite tout de même, je dirais, sa baisse, puisqu'après avoir ricoché, je dirais, une nouvelle fois sous 6 522 points, il a reperdu jusqu'à moins 0,70% en ligne droite, jusqu'à approximativement 6 475 points. Les volumes sont toujours très faibles, ils continuent à se contracter puisqu'il y a eu un peu moins de 2,4 milliards d'euros échangés hier. Là aussi, pour la seconde séance consécutive, je dirais que l'Europe, en termes de performance, résiste mieux que les États-Unis puisque la consolidation reste marginelle. On a pu voir que l'Eurostoxx 50 a légèrement baissé à moins 0,03% hier et que Francfort avançait légèrement à plus 0,2%. On a pris connaissance en Europe hier de l'indice PMI composite qui s'est nettement redressé le mois dernier, passant de 53,8 en avril à 57,1 en mai, dépassant ainsi le consensus qui était à 56,9. Il s'agit du reste de la troisième hausse mensuelle consécutive de l'activité, donc une très bonne dynamique. Du côté des valeurs, vous avez pu noter que Saint-Gobain avait progressé de plus de 4% hier à la clôture pour inscrire un nouveau record absolu à près de 58 euros, puisque le groupe a indiqué que son résultat d'exploitation du premier semestre 2021 devait clairement dépasser le niveau historique du second semestre 2020 et que sa marge d'exploitation pour cette période devait ainsi atteindre un nouveau record. Crédit Agricole, ou sa filiale Crédit Agricole Consumer Finance, a annoncé détenir 100% du capital de Soyou. Soyou, qui est la filiale de crédit à la consommation créée avec Bankia en Espagne, puisque le rachat des 49% détenus par Bankia ayant été autorisé par la Banque d'Espagne le 1er juin. Vous avez peut-être noté également que Rémy Cointreau avait baissé de 3% hier après sa publication de résultats qui n'a pas convaincu le marché qu'on avait commenté ensemble. J'en viens tout de suite à Airbus, qui devrait annoncer selon Bloomberg la semaine prochaine donc une nouvelle hausse de ses livraisons sur le mois de mai. Le groupe devrait annoncer une cinquantaine de livraisons pour le mois de mai après avoir réalisé sa 45 en avril. Cela porterait le nombre de livraisons à environ 220 depuis le début d'année. Donc une belle dynamique pour Airbus. Et j'en finirai avec Vinci, où le groupe finalise l'acquisition de sa branche énergétique de la société espagnole ACS à la fin 2021 ou au tout début 2022. C'est ce qu'a indiqué hier son PDG Xavier Huillard.
L'entreprise avait annoncé au début avril avoir signé un accord en vue de racheter ses activités pour un montant global de 4,9 milliards d'euros. Voilà ce que j'ai pu glaner sur les large caps et sur les marchés en général. Je laisse la parole à Nantes. Bonjour. Valneva annonce la finalisation du recrutement pour l'étude de phase 3 COV-COMPARE. Le but sera d'évaluer la réponse immunitaire 2 semaines après vaccination avec 2 doses du vaccin à 4 semaines d'intervalle. Les premiers résultats de l'étude sont attendus d'ici le mois de septembre 2021 et Valneva prévoit de soumettre des demandes d'autorisation de mise sur le marché au cours de l'automne 2021, sous réserve de résultats positifs. GTT remporte une commande pour la conception de 2 réservoirs de stockage de GNL en Chine. Et enfin, Valbiotis annonce la publication des premiers articles scientifiques sur Totum 63, sa substance active contre le prédiabète, décrivant son mécanisme d'action. Ces premières publications constituent une validation par la communauté scientifique des travaux réalisés depuis sa genèse en 2014. Ces articles scientifiques sont publiés en concertation avec Nestlé Health dans le cadre de leur partenariat. Voilà. Merci Céline. J'ai pu noter 4 changements de recommandations aujourd'hui. Tout d'abord sur Crédit Agricole qu'on évoquait à l'instant où Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 13,90 à 14,50. Ferrovial ou Odo démarre le suivi à surperformance en visant 29,50. Kingfisher ou Morgan Stanley démarre le suivi à pondération en ligne en visant 400 pence. Et enfin Rémy Cointreau ou Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 147,20 à 139,60. J'en finirai avec l'agenda du jour avant de laisser la parole à Lionel. C'est un agenda américain. À 14h30, on prendra donc connaissance du taux de chômage qu'on évoquait il y a quelques minutes et les commandes de biens durables à 16h. Lionel, on te laisse la parole. Oui, bonjour. Sur le CAC, ça fait 3 jours de suite qu'au plus haut, ça s'arrête sur le niveau de 6521-6522. Donc on tient là une résistance intermédiaire. En préouverture, on se situe très légèrement en dessous. Enfin, on va dire peu de mouvement sur le CAC à court terme. En revanche, le Nasdaq reste plus faible et il avait un support horizontal depuis 7 jours qu'il a enfoncé hier. Donc, on peut qualifier ça de retournement baissier court terme sur le Nasdaq. Donc, il continue de sous-performer au même titre que le secteur technologique. Bonne journée. Merci beaucoup, Lionel. Bonne journée à tous. Bonne séance.